On va voir Bilal alors directement, ou tu veux qu'on lance une quête un peu pour voir ce que c'est, ou tu t'en fous? C'est quand même, à mon avis, c'est des quêtes J'aimerais bien annexes essayer de de merde trouver qu'on avait un. auparavant, quoi. J'aimerais bien essayer de trouver un armurier ou quoi pour voir s'il n'y a pas de nouvelles armes, tu vois? Genre un Mais type là, qui ils revend des vendaient trucs. des trucs. Ouais, j'en ai vu un. Attends. Tu veux qu'on la fasse de nuit, la prochaine mission? Ça peut être sympa, non? Ouais, avec le buggy, il y a des phares dessus. Ouais, il y a des phares. Est-ce qu'on a déjà augmenté notre niveau de pilote ou non? Ouais, je suis presque au niveau. Enfin, je suis à la moitié du niveau, hein. T'attends. Et que tu vas où? Je voulais y aller de nuit. No. Voilà. Bon. Oh merde. Hop. Coucou. Comment on gagne plus d'XP? Je suppose qu'on gagne plus d'XP pour les buggy aussi. Ça peut pas être mal, ça. I suppose. Ici, lui, il a des trucs ici, Terry. Berserk. Alors. Améliore la résistance et les dégâts Offre des armures. limitée. J'ai acheté. Bah, vas-y, j'achète. Flèche Et attends, parce que je vais peut-être incendiaire. vendre des trucs. Ah, et pour Je l'arc. veux Mais peut-être. attends, il vend pas d'arc, lui? Non, l'arc, c'est au premier truc. Ah. Mais du coup, je vais peut-être vendre des choses que je n'utilise pas. Oh. Ça, c'est pas des trucs qui sont optimisés. Batte de baseball mortel, je m'en fiche. Mais tu sais, les armes oranges, elles font moins de dégâts que les armes mauves. Hein. Genre Ah là, j'ai ouais? une arme mauve qui fait. Ben ouais, j'ai un katana mauve qui fait 1600 et l'arme Ouais. de Tahir, elle fait 242. Ah ouais, non, j'ai rien dit. Parce que là, j'en ai une qui fait 1800. Donc ouais, non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc, il faut choper de l'orange. Ah, il voit un arc lui aussi. Allez. Ouais. Ah oui, j'ai même pas fait gaffe. C'est un bleu que t'avais aussi? Ouais, c'est le même. Et t'as vu qu'ils sont à 100$ pour l'instant? C'est pas cher. J'aurais bien aimé essayer de faire Tu des vas te faire molotovs, mais pour spoiler. ça, il faut que je glitch. Et du coup, je peux pas faire ça maintenant. Parce que sinon, je vais Non. être déconnecté. Je voulais faire quoi d'autre? Je voulais équiper. Équiper l'arc, ouais, ça peut être pas mal ça. Fusil de police, bah ouais, bof. Bon bah je suis prêt. Et je vais Attends. chercher la voiture. Quand on dirait un vieux couple là, tu vois, je vais chercher la voiture, je reviens. Léna, tu m'entends? T'entends Léna! dans l'allée. Je vais bien, écoute-moi, ton patient avait raison. Ah, y a des buggy Ici, partout en ce fait. groupe, C'est génial, je suis spécialement déjà pour en s'en bourrin. immuniser contre le virus. Ah. Bien. Je sais pas, ils sont protégés par une Ouais. sorte de chamane locale, la T'es mère. où? Internet. Elle communique que par ses prêtres. T'as J'ai aussi essayé un. d'établir le contact avec Je eux, pense que j'ai une. mais Elle ils me m'ont dit de parle là, moi confiance aux aussi. étrangers. D'accord. Paris. Attends, il est marqué quoi ici? Carburant requis. Non. Ouais, si. Il y a un truc, il est marqué carburant. Je suis là avec toi. Il était marqué carburant requis. Non, requis. Okay. Ouais, je suis à la moitié là. Où est-ce qu'on trouve du carburant ici? Aïe, aïe, aïe. Merde, j'avais oublié cela. J'avais oublié les rapaces, là. Ah. Ouais, niveau pilote plus un. Faut les semer avant d'arriver au point de mission, sinon ça va pas aller. Ah merde, y'a un rapace, y'a un rapace, y'a un rapace.
Ouais, je veux faire la mission de nuit, ça peut être drôle. Parce qu'il y a drôle là-dedans. C'est pas drôle, c'est pas le même sens. C'est pas avoir le même sens de l'humour. Vas-y, je descends ici, moi. Regarde un peu mon arme. T'as pas quoi les poursuivis? Derrière toi. Oh, terrible. C'est là où? Bon, je me souviens plus, mais je l'avais déjà dans l'édition normale. Je viens de me décapiter le mec qui était sur toi, mon dieu. Eh oh, oh! T'as nous les cowboys. Ah. Bah ouais, bien joué, Terry. Quoi? Bonjour? On rentre par où ici? Bah, j'y suis, moi. Oh, j'y suis, moi. On doit faire quoi? Allez voir Bilal. Ah, qui dort? Il est peut-être dans les toilettes? Non. Ouvrir là. Bon. Pardon, c'est vous le patron ici? Non. Hé, Nouri, tout va bien, mon gars. Tiens, voilà. Lui, c'est Nouri, mon frère. Kyle Crane. C'est un plaisir de... Oh, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Kyle? Eh ben, il paraît que les gens d'ici ont besoin de quelques coups de main. Ah oui, Jazir m'a dit que tu viendrais. J'ai entendu parler de toi. J'essaie simplement d'aider les gens qui sont en ville. Hé, hey, aider les infectés, c'est pas la peine de m'expliquer ça à moi. Je comprends. Mon frère a été mordu il y a 2 mois. 2 mois? Il a perdu un bout de cerveau. Il s'est pas transformé? Moi non plus, j'arrivais pas à y croire. Mais il est bien là, toujours en bonne santé, pas comme cette épave. Regardez cet tas de ferraille. Jazir ne ment pas. On a vraiment besoin d'aide. Hé hey mec, je suis carrément jaloux de ta caisse. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un véhicule en état de rouler. Tu sais quoi? Si on a tu partout. Me le ramènes de temps en temps, j'y jetterai un coup d'œil. Pour voir si je peux améliorer des trucs. Ou le rendre encore plus cool. Va me défaire un poil. Si tu veux. Les spinners. Prends-en soin. Je suis pas mécano, hein. Loin de là. Coup de chance que je sois là, alors. Bon, voici ce que tu vas faire. Ça va faire beaucoup de route. Mais tu le regretteras pas, promis. Il y a un camion de Silas échoué sur le bas-côté d'une grande route. Va jeter un coup d'œil. Laisse-moi piloter. Le Graal du buggy maintenant poursuivre. Ouais, ok. Merde, il y a plus de courant, on dirait. Non, mais moi j'ai toujours ma lampe de poche. Hey, y'a une station essence derrière, t'as vu? Non. Il faut y aller. Non mais on va pas aller... On va pas aller à pied. Non, c'est beaucoup trop loin. Y'avait un buggy derrière. Ouais, je le vois. Va à la station essence, ceci. Elle est où? Bah attends. Devant, un petit peu sur ta droite. Voilà. Économie de carburant. Conduire votre buggy, consommer du carburant. Ne cassez jamais. Tu sais lire? Non. Ouais, je suis un peu loin de l'écran. Là, ouais, je la vois. Et on va fouiller des... Oh! Barre-toi. Et Jo... On va pas se barrer, on va les affronter parce qu'on est des bonhommes. Ouais. Ah ouais. Même si on est inconscient. Jamais qu'on gagne. Ok. Hey, y a une zone de sécurité ici. Waouh, c'est génial ici.
train de me faire latter. C'est vrai? Bah ouais, c'est vrai. J'ai deux. Viens dans la zone de sécurité là. Attends. Oh, y'en a, il glitch bien. Ah, en fait, la station c'est un truc de sécurité. Ouais. Quand t'es sur la station, bah tu peux pas te faire niquer. J'ai deux jerrycans d'essence. Ouais, ok, mais je suis en train d'essayer de me chatter là. Toi, pendant que tu t'amuses à faire le farfrelu, farfrela, moi je suis en train de tuer tous les zombies. Niveau de puissance augmenté. Attends. Ah merde. Jerrycan d'essence, jerrycan d'essence. Ah, les trouve en double. Ah voilà. Jerrycan d'essence et jerrycan d'essence. Ah, on peut améliorer le véhicule, t'as vu? Quand tu vas sur le capot, tu maintiens carré. Voici votre écran d'amélioration de buggy. Vous pouvez y choisir trois choses, installer, réparer, remplacer des pièces de buggy, consulter vos améliorations, etc. Personnaliser votre buggy visuellement, c'est cool. Pimp my ride, on a rien en équipement. J'ai pas ça moi. T'as été où? Pneu de base. Bah tu vas sur le capot et tu maintiens carré enfoncé, ici. Attends, je suis en train de faire le plein dessin. Voilà, ah ouais, je vois ça. Bien. Ton bonhomme il est juste à l'arrière comme réservoir plein, ok. Attends, où ça? Moi j'ai que conduire quand je vais devant. Putain, mais c'est parce que c'est ton buggy ça. Bah non, ça va pas. Si, quand je quitte. Attends. Non, regarde, quand je quitte le buggy, il est bleu. Sérieux? Bah ouais, quand je quitte le buggy, il est bleu. Bah, j'ai pas ça moi, il est tout à fait normal. Bah ouais, moi je t'assure, quand je quitte le buggy. Ah, alors il est le bleu. Tien, c'est le vert peut-être. Vas-y, bah, je vais t'emmener à ton buggy. Viens. Tu le vois? Moi je le vois pas. Ah si, je le vois là. Attends un peu. Ah, il est loin. Il est entre nous. Attends, en fait le point de mission il est entre nous et ton buggy. Donc on va aller au point de mission et puis on ira chercher ton buggy. Ouais. De toute façon j'ai encore aucune amélioration, mais merci d'avoir fait le plat de mon buggy. Bah c'est vrai. Qu'est-ce que tu sais pas, c'est que j'ai mis de l'essence et j'ai pissé dedans. Monsieur a l'essence gratuite peut-être. Elle est frelatée. Monsieur rouleau rouge. Hey, bonjour. On va vite faire cette mission là. Attends. Il doit m'être prêt, Perry. Voilà. De quoi après pour yeah, on va le tuer. De quoi après qui? Ouais, on a... quand tu mets ça comme ça, on achète peut-être les deux de la confiance, je sais pas quoi. Mais... Ah, ouais. Piloter. Comme ça, j'augmente aussi un peu mon truc. Hé, hey, attends-moi, mais... Oh, fou, j'y suis. J'ai utilisé toutes les sortes que tu me dois. Péta. Y'a pas de klaxon par contre. Ah, si on fait R3, on peut voir en arrière. Je t'ai vu arriver avec ta vieille ici. J'ai vu arriver avec ta vieille ici dans le buggy, mon vieux. On se croirait dans Far Cry avec tous les trucs de cul. Ouais, bah c'est vrai, j'y ai pensé. Oh, comme par hasard, c'est au-dessus. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait, j'étais derrière. T'as bourré dans je sais pas quoi. C'est toi, tu touches et puis je démarre là. Attends, j'arrive. Mon buggy. Mon buggy. Je te montrerai de cavaler avec ta vieille pied. Allez, va. Je te vois en train de cavaler avec ta vieille épée en main. Godefroy le Hardy, me récupérer sa monture.
Attention, le trou. Putain, je me casse, ma tête trop nul. Mec, c'est imprévisible. Je crois que j'ai cassé ton buggy. Imbécile. J'ai pas fait exprès glisser, chef. Oh punaise. Oh merde, désolé. Je pensais qu'il y avait personne. Sans blague. Sale petit voleur. Eh hey, relax. Je cherchais juste des pièces pour ma voiture. Je comptais pas voler quoi que ce soit, je le jure. Mais enfin, il est où? C'est le camion. Je t'attends. Mais ouais, mais j'arrive pas. Ah ok, il fallait rentrer dans le camion. Tu peux les acheter. Je m'appelle Jack Conrad. Ta casse, je pèse, mon vieux narin. Alors que les choses soient claires, toutes ces pièces sont à moi. Si tu veux quelque chose, il va falloir payer. Compris. Ben, je veux quelque chose. Parler à la centrale électrique à Bellal. Attends, qu'est-ce qu'il a, lubrifiant, pièce de turbo, ouais, ça va prendre. Bah, tu sais quoi, je vais Choper. Merde. Suspension, caoutchouc, plus. Bon bah voilà, je lui ai tout acheté. Allez, attends, je vais arriver. T'es où? Attends, je vais être animé. Je suis mouru. Bah non, je suis à côté du... Ah bah je suis tombé comme une grosse merde en fait. J'avais oublié de lui acheter des trucs. Essaye de sauter sur la bagnole pour venir me réanimer, si tu sais. Si tu tombes sur un sac poubelle ou sur une voiture, tu meurs pas. Non, de l'autre côté. Tu t'éloignes. N'oublie pas. Vite, il te reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Moi, ça. Lâché. Et comment je fais, moi, maintenant? Je suis on ne peut plus sérieux. C'est sûr qu'il y a moyen de... Ah, il glisse. Putain, cette vision de toi, mon vieux, ça vaut de l'or. On va y arriver, j'en sais. Ouais, 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 il se retourne. Ouais, c'est bon, vas-y, continue. T'es sur le toit. Continue, vas-y. Il fait comment pour sortir maintenant? Eh merde. Tu fais comment? Tu sors comment? Hey, pousse. Oh mais merde, c'est sérieux. Attends. Réinitialiser position. Voilà. Ah. T'as été dans quoi? Tu vas sur le capot et là t'as réinitialisé de position, mais t'as pas. Mais c'est pas mon buggy. Viens. Ah. Je t'ai vu atterrir comme une merde, mon vieux. Dégage. Mais dégage de là, j'essaye de réinitialiser la position. Laurent, dégage, t'y arriveras pas. Merci. Non, allez, dégage, sérieux. Vas-y, réinitialise. Mais tu dois sortir, crétin. Arrête, putain. Je me casse de cette. Ah bah là. Putain, ouais, mais tu vas pas assez vite, hein. Allez, bon, bah c'est ça bon. Ça prend du temps. Y'a pas mal. Raguez ça. Y'a des buggy partout. Ouais, mais cool, ouais, tu m'as volé le mien.
Bim. Ah merde, j'ai pas mon grappin. Oh, oh, oh. Amène-moi mon buggy. Comme ça, on peut prendre nos buggy quand on y va. Pourquoi tu le vois vert le buggy qui est là en fait alors toi? Ouais ouais. Bah ben ouais, tu vois. Ah ouais. Attends 30 secondes, je... C'est quoi ça? J'ai amélioré le compétence. Ouais, je suppose. Ah, ça c'est bien fait, hein. Donc du coup, il y a pas de bug, il y a pas beaucoup de buggy, hein. Il y a qu'un seul buggy. Voilà. Merci. Quelque chose. Attends, j'ai regardé. Ah ouais. Vite fait. Ah bah ouais. Voilà. Moi, je peux améliorer aussi, à mon avis. Ah non, je peux encore rien améliorer. Bon bah personnaliser. Il faut un certain niveau à mon avis. Non, je peux personnaliser. Attends. Accessoires, j'ai encore rien. Là tu pars défaut. On peut encore rien acheter. Attends, je vais regarder si je peux pas. Ouais, l'essence de réservoir est plein, ça c'est bon. Purée, mais qu'est-ce que tu viens me faire chier? Dégage. Non bah je vais au point du truc. Ah j'ai des. Oh, Frama niveau 2. Ah, bah ouais, voilà, donc on doit bien l'améliorer à mon avis. Et moi je peux. Bah, c'est parce que tu dois changer déjà les pièces. Tu dois changer les pièces. Bah ouais, mais. Attends. Attends, tu vois là, je fais. Personnaliser, arrête. Personnaliser, équipement, j'ai rien. Mais non, mais tu dois aller sur le schéma du buggy. Bah alors, modifier. Non, non, à gauche. Ah, ok, pièce. Ouais, ça va, j'ai compris. Frein à main niveau 1, frein à main niveau 1. Ouais, ça change rien. Enfin, 600%. Et ici, j'ai niveau 2. Ok. J'ai une pièce de moteur niveau 2 déjà, donc à mon avis, il devrait aller un peu plus vite. Ouais, moi aussi, j'ai ça. Pourquoi je monte à l'arrière comme un con? Je ne veux pas conduire mon buggy! Bon allez, c'est parti! Attends, hop, c'est quoi? Dégage.
Ah, j'ai l'impression qu'il va bien plus vite, mon buggy. Bah heureusement, avec les pièces de moteur niveau 2. Ce serait bien de savoir c'est quoi le niveau maximum. Eh hey mec, je t'ai sauvé. Eh hey. Merci. J'aurais jamais imaginé qu'un étranger puisse venir en Il se passe quoi, tu crois, si on détruit le buggy, on doit leur payer ou on doit dépenser de la thune? Je pense que c'est impossible de... Tu viens de remplir une mission là? Ouais, de sauvetage. Ah, parce que j'ai ma jauge qui a augmenté aussi, ça c'est bien. Ce qui fait que si on fait quelque chose chacun de notre côté, ben non, je viens d'avoir un écusson sur l'image. Et je crois que la jauge, ouais, on la voit pas en fait. Attends, je vais pas te demander au niveau 2. T'as mis ton poids de compétence pour ton buggy? T'as mis ton point de compétence pour ton buggy au niveau ah non, pilote? C'est vrai ça. Ah, parce que je viens d'en prendre un aussi, donc c'est pour ça que. Donc vous permet de fabriquer des pièces de buggy niveau 1. Enfin, ça peut pas être mal. Hein. Y'a que ça à choisir? Ouais. Bah oui, premier point de compétence, ouais. T'as jamais le choix en fait. Bon, je vais essayer de venir près de toi. T'es au-dessus encore? Hello. Je suppose que dans les défis, il y aura des courses de buggy, ça va être drôle. Ouais, il y a des courses, ouais. Hey. Et donc, on a bien chacun son buggy personnalisé. Pâture rouge, pas, vert, pas... bleu, pâture... Je viens de débloquer les pâtures, go. Je t'attends. Hein. Ouais. Quoi, t'es déjà niveau 3? Non, bah non, pas encore. Je fais pas le déplacement instantané, comme ça je roule un peu. Oh merde, je croyais que c'était toi, c'est un ennemi. T'as débloqué ça où les pièces n'est pas sûr. Bien, faut aller parler à Bilal. Bilal. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, commence par apporter ce fusible à Ali à l'usine. Sans ça, il peut rien faire. Une fois que tu lui auras donné le fusible, on devrait récupérer du courant. Ah, s'il s'électrocute pas entre-temps, bien sûr, hein. Mais ce type est un peu taré. Une fois, j'ai vu un type qui essayait de retirer une ampoule cassée de la douille en utilisant un tournevis en acier. Le courant avait pas été coupé, évidemment. Ouais, c'était sûrement Ali. Mais bon, il est comme ça. Alors, résumons. Deux choses. Déjà, tu vas lui apporter ce fusible. Et ensuite, il va falloir un isolant électrique pour éviter que le fusible grille direct. D'après lui, l'ancien devrait tenir, mais... Franchement, j'ai un gros doute.